Bonjour, chers internautes. Voilà, je vous présente un étang. Donc, c'est vrai que c'est un peu nocturne. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Sébastien. Je vais filmer la plupart du temps ce truc tout seul, ce petit bout de film. J'espère que ça vous fera plaisir. Une petite partie de pêche dans un étang privé. Là, c'est la tombée de la nuit, j'ai installé mes cannes. Il y a à peu près 2 heures, j'ai fait un départ qui a été se bloquer dans une branche. Un étang privé à peu près 2 hectares, à peu près. L'eau a vachement baissé. On va regarder la bordure, voilà. C'est vrai que là, cette année, l'eau, la canicule, tout ça, c'est vraiment, la sécheresse, c'est vraiment affreux. Mais il reste plus ou moins du beau poisson. Ce qu'on va essayer de tenter, c'est de taper les plus beaux poissons qu'il y a dans l'étang, si on peut. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très très sauvage, c'est un coin très très sauvage. C'est comme on le voit là, il y a des broussailles partout, des peupliers partout, c'est vraiment sauvage, quoi. Voilà. Donc là, ici, on a une canne, c'est une canne géologique de 13 pieds 5, c'est la classique, hein, pour les connaisseurs. Voilà, je me tourne un petit peu. Ah, pour les connaisseurs, c'est de la classique, c'est la classique carpe. Ouais, une canne pas mal, robuste et moyen, quoi, c'est pas mal. Le moulinet, c'est un Daiwa, c'est un Mcast, un 5000. Voilà. Donc, un matériel assez correct. À côté, oui, c'est pareil, c'est le même matériel. À côté, donc. Voilà, c'est la même canne, même matériel. Alors après devant on trouve des beepers, bon, tout simple, hein, tout basique. Hein. Carpe sondeur, le basique, un écureuil, bon, lumineux, mais bon, il est un peu bas, mais bon, c'est pas grave. L'autre côté c'est pareil. L'autre côté c'est la même chose. Voilà. Alors là ici on est au deuxième, un peu plus loin, au deuxième poste, on ira. Alors là, ici, on a quand même une canne, c'est la LR700 chez Decathlon encore. J'utilise beaucoup les cannes Decathlon. La LR700 carpe, c'est une trolley venue aussi, un peu plus souple. Moulinet Shimano, débrayable, 8010, double manivelle. Voilà, l'autre, ici, c'est la même chose. C'est la même canne, qui pêche pas au même endroit différemment. Voilà. C'est notre voilà, elle pêche ailleurs. Après, les détecteurs, c'est des détecteurs d'âme tout simple avec pareil le même truc avec l'écureuil lumineux branché. Voilà, l'avantage est là par rapport au cap sondeur qui a une prise centrale, donc on a la lumière quand il y a un départ. Voilà. Oui, alors là on a l'épuisette, hein, je sais pas si on la voit bien. Bon, là on a l'épuisette, tapis de réception, vous savez qu'on voit mal, c'est la nuit. Tapis de réception, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de tout là, ici. On a un sac de pesée ici. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, en espérant d'être. Donc vous revoir avec un poisson. Bon, là j'ai fait un poisson. Alors, le noir, on voit pas bien, qui fait une dizaine de kilos. C'est très, très beau poisson, très, très charnu, très dodu. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle a mangé, c'est un très 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 beau poisson. Très belle, belle couleur blanche. Une bouche, une belle bouche. Pas abîmée. Des lèvres bien épaisses. Donc voilà. Donc on va mettre ça dans un sac de repos et finira jusqu'à demain qu'on puisse filmer, prendre des photos. C'est bon. C'est bon. Ah ben là on va amorcer un peu large, hein, parce que la nuit n'a pas été terrible finalement. Ça n'a pas été top top. On verra ça tout à l'heure un peu plus tard. Alors là maintenant on passe à l'amorçage lourd, hein. Lourd et sévère. On va essayer de faire du beau poisson.
C'est vrai qu'on a eu, ça n'a pas été terrible la nuit. Et on s'est pas beaucoup réveillé, il a plu, intempéries, c'est vilain. Et là, ben, ouais, il fait bon. Tant mieux. On va essayer, là, on va essayer quand même une autre stratégie pour attraper de la belle carpe. Ça enregistre pas là, si? Anthony en pleine action là. Viens vers moi un petit peu là parce qu'elle va aller dans l'île. Faut que tu l'empêches d'aller vers l'île. Serre-la, 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 pas peur. Hein. Elle a du gaz celle-là. Hein. Elle y va dans l'île. Recule, recule. Et voilà, il bride comme ça, va très bien. Une grosse? Hein? Je coupe. Ah, une belle carpe attrapée par Anthony. On avait fait un petit peu le combat tout à l'heure. Une miroir de 8 kg. Et hop, Anthony va la remettre à l'eau, je vais filmer. Allez, tu filmes. Tu prends le sac, tu l'as plus dedans. 8 kilos de plus. Attends. Je pense à partir. Ça y est. Okay. Allez, Anthony va nous sortir la pêche de la nuit là. Allez, Anthony, vas-y. Merde. Ok. J'ai dit merde. S'il y arrive, hein, il va nous faire voir ses pectoraux qu'il a travaillé avec le fils à Sergueï. Salut. Salut. C'est Sébastien. Tu vas y arriver. T'as 30 kilos, t'as 40 kilos de poisson. Mmh. Voilà la nuit. Oh, belle, hein. J'espère qu'on va pouvoir les tenir. Oh la vache. Voilà. On va faire une par une. Voilà, ça va peut-être bouger. Ah ça. Ah laissez se calmer. Non, il faut pas qu'elle sorte du. C'est normal. Normal, c'est normal. C'est normal. Quel film. C'est normal. Oh, oh. C'est bon, t'arrives à voir. Ouais. Comme elle pèse celle-là, c'est à ton avis. 10 kilos. Non pas. On ne sent rien, hein. C'est pas 10 kilos. Tu les vois? Une centaine de kilos. Voilà, une carpe de dizaine de kilos. Ça peut se faire le plus grand. Six kilos.
qu'elle mange les bouillettes. Là, hop. Je vais me photographier. Hein. Elles sont belles, hein? Ouais. Ah, je vais te photographier aussi. Attends. Prends-le. Elles sont belles, les ouïes, elles sont propres. Allez, Sébastien. Oh, voilà. Une photo. Oh. Ça la fout bien pour internet, ça. Faut que je sois bien, faut que je coupe quelques séquences. Attends. Hop là, vide. Allez, prépare-toi. Vas-y, filme, Anthony. Bien. Super. Attends. Il y en a une autre. Où t'es, le petit cache. Bien calibré, hein. Oh, on va quand même chercher le proprio. On va le faire voir, il va être heureux. Hein. Hop. Oh, doucement. Calme-le un peu. Elle est nerveuse. Hein. C'est bon, Tony? Maintenant, tu m'as filmé avec mon appareil. Je voulais... Ah bon, après, après on baisse de volume. Hein. On va directement donner... On baisse, hein. Je laisse les directs sans défense. C'est bien. Celle-là, on l'a pas pris en photo, c'est bien. Hein. Celle-là, elle est belle. Celle-là, c'est bon. C'est décidé. On n'est pas contre le soleil, là. C'est pas bon. Contre le soleil, c'est pas bon. Il faut que tu te filmes à cette côté-là. Ouais, c'est contre le soleil. Ah, voilà, ça, c'est votre chose. Là, c'est bien. Super bien. Allez. Ah, alors, Facebook. Facebook. Sur Twitter. Bon, allez, Anthony, à toi. Tu vas te. Comment? Tu vas te faire un peu. Cadoucé. Allez, vas-y. Ça me belle, hein? Ouais. Ouais, ça fait 9 kilos et demi. 9 kilos, ouais. Ça, elle est belle, hein? Impec. Oh, c'est bien. Au fin de tête, c'est dangereux. Super, hein. Ah ouais, là, c'est beau poisson, hein. Ben oui, c'est super. Ah, celle-là, elle est un peu nerveuse. Celle-là, elle a pas pris du... Comment? Elle a pris du durosan, celle-là. Putain, qu'elle est belle. Normal. On reste sur le tapis, on ne s'esquinte pas. Ouais, tu filmes avec mon...